مرحلهمش تلك سبورانين دونك باش نصلح لكم ان اكزومبل نيميرو 2 دو دوفوار دو كونترول نيميرو 6 او مات بور لي دوزيام اني سيونس دوفوار نتاعنا في 3 اكزرسيس ليكزرسيس لاني على جينيراليتي سور لي فونكسيون اكزرسيس 2 على فونكسيون دو ريفيرونس ان اكزرسيس 3 سور لا جيومتري اناليتيك Alors, on a d'abord l'exercice de l'année dans la figure 50. On a représenté la restriction à R plus de la fonction f de x égale à x sur x au carré plus 1. Achevez la représentation graphique de f. Voilà. On a tiré juste une partie positive. Oui, on a tiré la représentation graphique de f dans le parti négatif. Mais, on a f de x égale x sur x au carré plus 1. C'est-à-dire, là, f de moins x quoi égale à moins x sur x au carré plus 1. Alors, on a moins x au carré et x au carré, qui est égal à moins f de x. La fonction terme est une fonction linéaire impaire. Alors, on a une symétrie par rapport au point O. Donc, f alors, l'origine du repère est un centre de symétrie. Ben, oui, l'origine au point O. Donc, l'aîné a une symétrie par rapport au point O. Donc, l'aîné a bien sûr le point L. L est 1, 0, 5. Donc, qui n'a pas la symétrie de terre, puisque moins 1, moins 0, 5. Voilà. Voilà. Donc, puisqu'on a. Mais voilà. Résoudre graphiquement l'équation f de x égale à 1 demi. Alors, question 2, pardon, déterminer un majorant et un minorant de f sur r. Mais, alors, je n'en ai pas. On a f de x, dis-moi, l'année à 0,5, l'année moins 0,5. Donc, f de x, la fonction interne, elle est entre moins 0,5 et 0,5. Ok? Alors, l'année, c'est-à-dire par suite, donc tout réel x supérieur ou égal à 0,5 est un majorant de f. Sur r et tout réel x inférieur ou égal à moins 0,5 est un minorant. Ben, question 3. Alors, question 3, c'est résoudre graphiquement f de x inférieur ou égal à 1 demi de x. Donc, f de x inférieur ou égal à 1 demi de x. Alors, ben, f de x égale à 1 demi de x. Donc, on va déterminer f de x égale à 1 demi de x. Là, on va tracer la droite d'équation 1 demi x. On a 0, on a 0. Ou 1 demi de x, donc n ou n l 1, puis ça signe 1 demi. Alors, là, on a les deux points. On va tracer tout de suite, donc, voilà, juste un petit comme l'allure. Donc, voilà, donc, elle est ici, 1 demi de x. B. هو لهنا شنو قالي ايغال دونك عندنا دو بوان دانتيرسيكسيون عندي البوان هذي والبوان هذي دونك هذي دو كوردوني 1 وهذي موان 1 دونك لهنا اف دو اكس ايغال 1 دومي دو اكس سي بور اكس ايغال 1 اي موان 1 دونك اس دون ار ايغال موان 1 اي 1 اي اف دو اكس انفيرور ايغال 1 دومي دو اكس دونك لهنا فين باش تكون لا كورب دو لا فونكسيون اف تحت الدروات عندنا البارتي هذي Ou on a le parti ici. Donc le parti ici il est moins 1, 0. Le parti ici il est 1 plus l'infini. Ok? Mais. Alors là, moins 1, 0. Union 1 plus l'infini. Bien sûr, il est O égal. Donc 1 ou 0 derrière. Ou le moins 1 derrière. On pose G de X égale à la valeur absolue de F de X. Alors. Tracer la courbe CG de G dans le même repère. Donc, l'année G de X égale la valeur absolue de F de X. Donc, quoi que l'X, il y a des mots juste sur le parti 0 plus l'infini. Valeur absolue de F de X égale à F de X sur le parti positif. Mais, quoi que l'X, il y a des mots juste sur le parti, l'année, donc, moins l'infini 0. Valeur absolue de F de X
égale à moins f de x. Ben, allez, la fonction interne est x sur x au carré plus 1, elle est toujours positive. Il n'y a pas de x. L'x fait partie positive fois x, mais fait partie négative, c'est moins x. Okay. Alors, l'année est juste dire. N'est-ce pas la fonction g de x? Donc, le parti positif a même valeur que f. Vous voyez que l'année a une symétrie. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est g de x. Bien sûr, heavy ou heavy. B. En quelle valeur de la fonction g atteint son. En quelle valeur la fonction g atteint son maximum. Donc, l'année ouada, donc, g atteint son maximum, fil 1, fil moins 1. Mais, donc, voilà. L'exercice où nous avons la généralité sur les fonctions, on va corriger l'exercice 2. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale à moins x au carré plus 2x plus 6. Vérifiez que pour tout réel x, on a f de x égale à moins x moins 1 au carré plus 7. Et nous avons une même chose. Alors, égale moins, maintenant souhaite, donc x au carré moins 2x plus 1 plus 7 égale moins x au carré plus 2x moins 1 plus 7 qui est égal à moins x au carré plus 2x plus 6 et l'IEPITA donc la fonction f de x. Déterminer les variations de f sur moins l'infini a et a plus l'infini. Donc je n'ai sur moins l'infini a, je n'ai deux réels a et b. Donc, ces deux réels, Hadoma, Moujoudi, fil moins l'infini A, tel que B supérieur à A. Bien sûr, Gouna Homazouz, Moujoudi, fil l'intervalle moins l'infini A. OK? Donc, alors, F de A égale moins A moins 1 au carré plus 7. Et F de B égale à moins B moins 1 au carré plus 7. B. Gouna Homa Moujoudi, fil moins l'infini A. Alors, dis-moi alors l'intervalle moins. Qu'est-ce que f de b moins f de a? Je vais me chercher moins b moins 1 au carré plus 7 moins l'école. Donc, je vais aller plus a moins 1 au carré. Qui est égal à a moins 1 au carré moins b moins 1 au carré. Nous avons dit que nous avons dit que b est plus que a. Je vais vous dire que b moins 1 kif est plus que a moins 1. ولكن ال b وال a موجودين في الموال الانفيني a معناتها لهنا ال a موجودة ال a دونك أصغر قطعا من الواحد c'est-à-dire a moins 1 باش تكون أصغر من 0 معناتها نيجاتيف وال b أصغر قطعا دونك أصغر أو يساوي سي كيف كيف دونك لهنا c'est-à-dire ال b moins 1 أصغر أو يساوي من 0 سي دو ريال اللي هما ال a moins 1 وال b moins 1 sont négatifs دونك عندنا ال a moins 1 أصغر من ال b moins 1 هما زوز نيجاتيف كي ندخل الكاري باش تولي a moins 1 أو كاري أكبر من ال b moins 1 أو كاري فوالا دونك لهنا a moins 1 أو كاري أكبر من b moins 1 أو كاري دونك هذا الكل بوزيتيف شو معناتها؟ معناتها f de b أكبر من f de a فوالا يا مدام علاش ال a moins 1 أو كاري أكبر من b moins 1 أو كاري وال f de b أكبر من f de a احنا حسبنا f de b moins f de a لقينا a moins 1 moins b moins 1 Déjà, on a qu'on arrive à l'hénée. On a un a moins 1 au carré akbar min b moins 1 au carré, pardon. Mais qui n'a ni moins. Donc, je dois aller moins b moins 1 au carré akbar min moins 1 au carré. Alors, l'hénée, c'est-à-dire la fonction interne, elle est croissante fait l'intervalle où l'hénée. B. Par contre, l'hénée, sur... 1 plus l'infini, je ne trace nous donc kif kif a et b de réel, je ne trace nous f de b moins f de a égale à a moins 1 au carré moins b moins 1 au carré. Alors, nous avons dans l'intervalle l'année a akbar min wahed ou b akbar min wahed. Maintenant, l'a moins 1 je suis positif ou le b moins 1 je suis positif. Maintenant, le b moins 1 au carré akbar min a moins 1 au carré, donc l'année c'est-à-dire f de b. Moins f de a, elle est négative. Donc, la fonction, elle est strictement décroissante.
sur l'intervalle 1 plus l'infini. نجمو اللي كنا نكتبو فيه كل الحرف في تابلو صغير. Donc هذا واحد. Ça c'est moins l'infini et ça c'est plus l'infini. La fonction elle est croissante puis elle est décroissante. Donc là on a bien sûr moins l'infini et moins l'infini. F de 1, donc là c'est là. باش تعطيني الا 1 مع 2 1 1 مع 6 7 voilà. OK. Question les barres à construire la courbe CF de F dans un repère OIJ. On notera A le point de CF d'abscisse 4. Ben قبل ما نعمل انا الريبريزونطاسيون donc F de X égale à moins x au carré plus 2x plus 6. Bien sûr, c'est un parabole. Ils ont le sommet. Ils ont l'axe. Donc, le sommet est moins b sur 2a. F de moins b sur 2a. Alors, c'est-à-dire moins b sur 2a, quoi est égal? Égal moins 2 sur 2 fois moins 1, qui est égal à 1. Et F de 1, donc égal à 7. Alors, le sommet interne est 1. 7 et l'axe delta d'équation x égale à 1 est un axe de symétrie. Ok? Alors, on a pris l'allure de la courbe. Et il y a l'allure interne. Donc, on a juste l'allure. On a pris le mastra, on a pris 1 cm, on a pris le traçage interne. Exact. B. Question les bas. Donc, on notera à le point d'abscisse 4. Alors, on a pris le 4. Donc, je trouve normalement l'intersection. Je trouve le point. A. B. Soit j'ai la fonction définie sur R plus par G de X égale à moins racine de X. Alors, déterminer le sens de variation. Donc, G de X. Donc, un objet de deux réels A et B m'ajoutent à R plus tel que A inférieur à B. Alors, ces deux réels sont positifs. Donc, l'année G de A égale à moins racine de A et G de B égale à moins racine de B. Je m'en ai l'année. معناتها الزوز بوزيتيف دونك راسين دو ا اصغر من راسين دو بي ولكن موان راسين دو ا اكبر من موان راسين دو بي لا فونكسيون لهنا الي ستريكتومون ديكروسونت فوالا كونستروير لا فونكسيون جي دون لو ميم روبير دونك عندي اكس جي دو اكس باش ناخذ كيلكو فالور باش ناخذ 0 باش ناخذ 4 باش ناخذ 9 جي دو 0 سي 0 جي دو 4 سي موان 2 جي دو 9 سي موان 3 بي. Donc, on a fait 0, 0. On a fait 4, 1, 2, 3, 4, on a dit moins 2. On fait 9, on a moins 3. Donc, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, moins 3. Juste l'allure, l'année. On tout qui est notre B. Donc, fonction interne, du coup, normalement, ok. La fonction racine carrée, mais l'année moins racine carrée. Donc, quand j'ai plus, je dis l'année. Ça, c'est la fonction CG. La courbe représentative, c'est G, de la fonction G. Alors, on déduire et vérifier que A appartient à CG, B est linéaire, donc A est un point de CG. Donc A appartient à CG. On déduire les réels pour lesquels CF est au-dessous de CG. Donc, linéaire, CF au-dessous. Je vais mettre au-dessous de CG. Alors, donc linéaire, Anna, la fonction F définie sur toute R. Mais la fonction g est définie sur r+. D'où la comparaison de f et g, l'année sur r+, seulement. Donc, juste une norme de comparaison fait partie positive. Alors, l'année, cf au-dessous de cg. Elle est courbe cf, elle est courbe cg. L'année qui n'est pas l'année 0, 4. Cf ou cg qui fait la position relative. Donc, quoi d'un nous CG au-dessus ou CF, elle est l'année. Alors, donc l'année au-dessous. 0, 4, l'année fait partie de la courbe. Donc, c'est F au-dessus de CG ou CG au-dessous de CF. Mais la question, l'année, CF est au-dessous. CG, alors, fait partie 4 plus l'infini. Okay? Donc, dans les deux cas, donc, on a fait 0, 4. Alors, la partie ici, donc la courbe CF est au-dessus de CG. CF
fougue CG, mais il fait partie 4 plus l'infini, donc CF est au-dessous de CG. Raka CF l'année ou CG a une radique. Okay? Alors, soit H, la fonction définie sur 1 plus l'infini par H de X égale F de X plus G de X sur 2. Déterminer le sens de variation de H sur 1 plus l'infini. Ben, donc, Ahna fait 1 plus l'infini, la fonction elle est décroissante, c'est f. On fait 1 plus l'infini, la fonction g, elle est décroissante. Donc, les deux fonctions sont décroissantes, alors la fonction interne est décroissante. Okay? Donc, la somme une fonction de deux fonctions décroissantes. Ben, donc, je n'ai pas l'intervalle. F et G sont décroissantes. Automatiquement, qu'est-ce qu'on a fait de voir? Par conséquent, pour tout réel A et B, moi je dis l'intervalle AD, on a A, A ou C ou B, c'est-à-dire F de A, qu'est-ce que je te compte? Bien sûr, N est décroissant, donc A par A ou C ou F de B, ou G de A, A par A ou C ou G de B. Donc, c'est-à-dire F de A plus G de A sur 2, Akbar Aoui Sewi, 1000 F de B plus G de B sur 2. Donc, la fonction interne à H, elle est strictement décroissante. Voilà. Déterminer le sens de variation de H, voilà, elle est strictement décroissante. On déduit que pour tout réel x dans 1 plus l'infini, atini l'année, donc, la comparaison est donc moins x au carré plus 2x moins racine de x plus 6 sur 2, akbar aoussé moins 2, asrar aoussé 3. B, ahna, donc, ahna, nous, alors, l'année, je me laisse h de 4 égale à moins 2. Et h de 1 égale à 3. Donc la fonction h est décroissante fil 1, 4. Si on m'en alors h de 4 a sera h de 1. Bon. Donc h de x, mais bien h de 4, oui, h de 1, l'intervalle 1, 4. C'est-à-dire h de x, il y a f de x plus g de x, donc moins x au carré plus 2x, plus 6 moins racine de x sur 2. Mais bien, le moins 2 ou le 3. Voilà. Ok? L'exercice 2, on va corriger l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, je travaille maintenant pour lancer ma branle dans le bâtiment. On donne dans un repère OIG le point A1, B-3, C2, 3. Montrer que les points A, B et C sont alignés. Donner une équation cartésienne de la droite AB, soit la droite DM d'équation A-I. Moins mx plus m plus 2y moins m plus 1 égale à 0, m est un réel. Pour quelle valeur de m on a dm perpendiculaire à AB parallèle à AB? Pour quelle valeur de m on a dm parallèle à OI? Pour quelle valeur de m on a dm parallèle à droite delta prime d'équation 2x moins 3y moins 1 égale à 0? Montrez que toutes les droites de m passent par un point fixe que l'on précisera. Voilà. Donc, l'exercice interne, on va corriger ensemble. Donc, Olhajagé a montré les trois points internes sont alignés. Alors, on va faire quoi? A de coordonnées A1, B de coordonnées moins 1, moins 3, et C de coordonnées 2, 3. Alors, il suffit de déterminer le déterminant de deux vecteurs. Je n'ai le vecteur AB égale XB moins X1 moins 1 moins 1 moins 2, YB moins Y1 moins 3 moins 1 moins 4. Et je n'ai le vecteur AC, donc 2 moins 1, 1. Et 3 moins 1, 2. Voilà. Donc le déterminant, l'année AB, AC, je suis à tini, moins 2, moins 4, et 1, 2. Voilà. Donc on a moins 2 fois 2, alors moins 4, l'année moins moins 4, qui est égal à 0. Je m'en ai l'année, donc on a déterminé le déterminant de AB, AC, alors A, B et C sont alignés. Voilà. Une question les bata. Donc, donner une équation cartésienne de la droite AB
Alors, le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB, lieu de coordonnées moins 2, 4. Donc, le vecteur directeur de la droite. Donc, je vais le vecteur directeur de la droite AB. Alors, les coefficients du vecteur directeur, donc, je suis cool. Alors, le vecteur directeur, ou moins B. A, je suis moins B égale à moins 2, donc B égale à 2, ou A égale à moins 4. Donc, l'année AB, je suis cool. Alors, moins 4x plus 2y plus c égale à 0. Donc, bien sûr, A, موجود à droite AB, on A ou on B. On A est 1, 1. Donc, moins 4 plus 2 plus c égale à 0. Moins 2 plus c égale à 0. Donc, c égale à 2. Voilà. Finalement, donc, on a déterminé l'équation de AB. Moins 4x plus 2y plus 2 égale à 0. Voilà. Donc, question les bâtards, a-t-il l'équation paramétrique de m 1 moins m x plus m plus 2y moins m plus 1 égale à 0. Pour quelle valeur de m on a dm parallèle à AB? Donc, l'aîné, il y a la valeur de m pour que les deux droites sont parallèles. Alors, l'aîné, qui fait juste cool la formule. Il faut qu'elle comme une AB, donc l'équation la nette AB. Donc, parallèle, on a le même coefficient directeur, c'est-à-dire 1 moins m égale à moins 4. Donc, l'aîné quoi est égal à m. M égale à 1 plus 4, qui est égal à 5. Voilà. Question les bases. Donc, pour quelle valeur de m, on a des m parallèles à OI. OI, donc, elle est O, ça c'est I. L'équation l'année de OI. Alors, le vecteur OI, l'IO de coordonnées A1, est un vecteur directeur de la droite OI. Donc, le parallèle, ils ont le même coefficient directeur. Alors, le vecteur OI, c'est un vecteur directeur. Donc, c'est-à-dire 1 moins m égale 1, donc m égale 0. Question C, pour quelle valeur de m on a des m parallèles à delta prime 2x moins 3y moins 1 égale à 0. Donc l'aîné, 1 moins m égale à 2. Alors m égale à 1 moins 2 qui est égal à moins 1. B, montrer que dm passe par un seul point fixé selon le déterminant. Alors dm, et 1 moins mx plus m plus 2y moins m plus 1 égale à 0. Je vais faire l'aide. Je vais faire x moins mx plus my plus 2y moins m plus 1 égale à 0. Alors, donc, donc, les m, je vais faire x plus 2y plus 1 plus. Alors, x plus 2y plus 1 plus m fois moins x plus y moins 1, ok? B, le double n est ce que je plus 1, donc égal à 0. B, yes. Donc, je m'en ai égal à 0 ou égal à 0. Donc, l'énergie, je t'attends x plus 2y plus 1 égale à 0. Ou bien je t'attends moins x plus y moins 1 égale à 0. Ok? Alors, l'énergie, le point fixe, maintenant l'intersection, l'énergie, mais bien ces deux droites. Je nomme la résolution. X plus 2y plus 1 égale à 0, moins x plus y moins 1 égale à 0. Voilà, je remets l'énergie. Donc, x plus 2y plus 1 égale à 0. Et donc, comme je parle de résolution d'un système, l'équation finie, moins x plus y moins 1 égale à 0. Et là, je vais 3y égale à 0. Donc, y égale à 0. Y égale à 0, x égale à moins 1. Voilà. Donc, l'année x égale à moins 1. Donc, le point
E de coordonnées moins 1, 0. Voilà. Un exemple numéro 2 du devoir de contrôle numéro 6 en maths pour le deuxième année science. Quand vous avez des questions, vous pouvez vous poser des questions.